Pravin Jugnauth, bonjour. Bonjour. Après démission au Paul Béranger, ouf, il est nommé comme leader de l'opposition. Pravin Jugnauth, c'est la première fois qu'il occupe sa fonction-là. Une première réaction d'abord? De toute façon, je viens comme un membre de l'Assemblée nationale qui d'une partie de l'opposition. Déjà, nous faisons un rôle comme une opposition qui s'est alliée, une opposition qui agit comme un chien de garde. Mais surtout en tenant compte le fait que l'ancien leader de l'opposition, fait une alliance avec le gouvernement, le parti qui est au pouvoir, donc au fait, c'est un manque de respect. Béranger qui finit démissionner, il a fini démissionner bien avant, d'après vous? Il a fini démissionner avant, certainement. Donc, il n'est pas né dans le respect pour sa poste-là même. Donc, plus que jamais, maintenant, en tant que nouveau leader de l'opposition, certainement, nous pouvons jouer nos rôles, nous pouvons assumer nos responsabilités, nous dire que nous pouvons tenir compte certainement des priorités de la population. D'accord. Pas de problème que le pays peut faire face au niveau économique, au niveau social, les autres problèmes qu'il y a. Pravin Jugnauth nous connaît qui le rôle d'un leader de l'opposition, il n'y pas résume à un PNQ ou une question qu'il posait dans le Parlement, mais Parlement qui n'a pas fait fonctionner depuis tout ça les temps-là. Comment on compte amène une fonction bien? Moi, dénonce le fait que l'ancien leader de l'opposition, en complicité avec le Premier ministre, fait une ferme Parlement. Et pas laisse, franchement, la démocratie de son rôle. L'institution la plus importante, c'est le Parlement. Je n'ai pas trouvé aucune nécessité, je n'ai pas trouvé aucune justification qui fait un Parlement le 10 mois, 8 mois enfermé. Justement, pas laisse à ce qu'ils nous mettent en avant les préoccupations de la population. Donc, je souhaitais maintenant que le Parlement supposé reprend. Le 7 octobre. Vous pensez pour reprendre, pour une séance normale ou pour une distribution au Parlement? Non, je ne connais pas, mais je souhaitais que le Parlement reprend, ou effectivement, nous capables de jouer nos rôles, surtout au niveau du Parlement. Mais est-ce qu'il y a un dossier prioritaire ou vous souhaitez amener de l'avant? Ah, il y a beaucoup de dossiers prioritaires, et surtout en priorité, c'est la situation économique. Indicateur qui pas bon du tout. Situation concernant la pauvreté, par exemple, coût de la vie, problème qu'il peut faire face au niveau salaire, travail, au niveau chômage qui peut augmenter, jeunes, diplômés qui peuvent gagner travail, la confiance qui paye non parmi entrepreneurs, combien business une ferme. Parce qu'un gouvernement est situation économique, l'attention même qu'il peut donner à la situation économique. Après, situation sociale aussi, problème de criminalité, loi et ordre, problème de la drogue, problème au niveau de la santé, problème au niveau problème de l'eau. Une menace qui est là, comment sa carte d'identité. Donc, il y a un dossier qui, moi, me tient content de se plaider au niveau du Parlement. Une question qui polarise l'attention, Pravin Jugnauth, c'est porter un ticket dans l'opposition, ou même on peut discuter avec PMSD et le mouvement libérataire. Qui peut arriver là, que de peut buter Moi, je suis content, les bons qui me posent cette question-là, moi, je suis content de dire qui porte un ticket. Évidemment, quand on discute de l'alliance, on veut dire aussi qu'il y a une répartition. D'étiquette. Mais moi, je suis content de dire que la répartition d'étiquette est secondaire. La priorité, quand nous venons pour discuter, de le problème que le pays peut faire face. Et qui est une solution qui nous pensait bien apporter pour l'avenir. Comment nous connaît le MSM, surtout ça en niveau de Jagnat, d'une faire ce prêve, d'une tirer un pays là qui tient à genoux dans le passé, d'une faire le pays qu'on a un miracle économique. Nous pouvons dans sa direction quand nous voulons justement remettre l'économie dans le rail, refaire du monde gagner confiance, refaire un entrepreneur investir et surtout que tout ban Mauricien, toute communauté confondue, capable de saisir l'opportunité, l'occasion
qui pour faire chaque famille progresser. Tout cela, c'est une priorité qui nous peut guetter. Après, bien sûr, il y a même des autres affaires concernant l'alliance. Mmh. Mais quand Paul Béranger, qui n'a pas Goulam, Paul Béranger finit d'aller, il peut cause 60-0 aux prochaines élections, pas penser qu'il Tibizin finit finalise l'alliance là pour qu'il Dimoun connaît une clarté dans tout ce qui peut passer. Paul Béranger, qui n'a pas Goulam, capable de rêver, mais moi, ce qui m'a constaté au niveau de la population, et je pense que vous gagnez une grosse surprise, le peuple a envie un vrai changement. Et je ne doute pas que, prochaine élection, les peuples pourront amener un vrai changement. Est-ce qu'il, dans le journal, Pédier, qui est rigide dans sa négociation-là, est-ce que c'est vrai? Non, je ne sais pas pour commenter ce qu'il mettait dans certains journaux. D'ailleurs, il y a une nouvelle qu'il mettait qui n'est pas vraie. Donc, je ne sais pas dans sa foi pour le rectifier. Ou bien pour dire, moi, me concentrer, moi, le travail que nous avons pour faire, nous avons une responsabilité pour sauver ce pays-là et nous les rassembler, certains partis de l'opposition. Moi, pour faire tout ce qui est capable pour nous réussir rassembler et là, nous avons été. Et d'ici quand vous pensez cette alliance-là pour concrétiser l'opposition? Moi, il n'y a pas de panne d'islo, moi. Il n'y a pas de PMSD, le mouvement libérateur. Bien sûr, il n'est pas l'eau du tout. Ça veut dire qu'il y en a qui peut faire le difficile? Je ne vais pas dire ça, je vais dire qu'il n'est pas l'eau du tout. D'accord. Nous avons tout besoin de mettre la tête pour nous capables d'arriver à un consensus. Premier Jacques, merci beaucoup. Ok, merci.